Bon dimanche aussi à nos bien-aimés qui sont connectés de partout dans le monde. Bon dimanche à vous. Que Dieu vous bénisse. Nous croyons que la même grâce qui coule en ces lieux va aussi couler dans vos vies. Parce que dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. Amen. Gagner la bataille de la langue. Gagner la bataille de la langue. Ésaïe, chapitre 6, versets 5 à 7. Et puis nous lirons Proverbe 18, le verset 21. Maintenant, nous debout pour la lecture de la parole. Alors, j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Seigneur, parle-nous ce matin. Envoie-nous ta parole. La parole de délivrance. La parole de guérison. La parole de miracle. Que l'homme disparaisse et que toi tu sois vu. Que je sois un simple canal entre le sang de mes seigneurs. Il est écrit, l'Éternel dit une parole à Jacob. Tout Israël est éclairé. Que ta parole puisse nous éclairer au nom de Jésus-Christ. Que le sang dise Amen. Amen. Asseyons-nous dans sa sainte présence. Gagner la bataille de la langue. Regardez dans notre texte d'introduction. Le prophète Ésaïe a eu une vision et il a vu le Seigneur. Quand il a vu le Seigneur, il a commencé à réaliser son état. Des fois, nous ne nous connaissons pas. C'est dans la présence de Dieu qu'on
se découvre. C'est dans la présence de Dieu que nous découvrons certaines choses qui sont en nous. Le prophète a pris conscience qu'il avait un problème avec sa langue. Ses lèvres étaient impures. C'est ainsi qu'il a commencé à prier devant Dieu, à supplier devant Dieu. Et la Bible dit, l'ange a écouté sa prière. Il a pris des pincettes avec du charbon ardent. Il a touché sa langue. Bien-aimé, l'ange n'a pas touché sa tête. L'ange n'a pas touché ses mains. L'ange a touché sa langue. Parce qu'il savait que la bataille que le prophète avait, c'était une bataille des langues. C'était quelqu'un qui était appelé à prophétiser pour les nations. C'était quelqu'un qui devait parler pour relever les gens. C'était quelqu'un qui devait parler pour guérir le peuple de Dieu. Mais sa langue n'était pas pure. Gagner la bataille de la langue. Nous amener à une nouvelle dimension d'autorité, de puissance. Mais il nous demande que nous puissions gagner la bataille de la langue. Si nous ne gagnons pas la bataille de la langue, nous n'allons pas expérimenter des victoires personnelles. Beaucoup d'entre nous, notre langue est comme un obstacle à la manifestation de la puissance de Dieu. Bien-aimé, votre langue a le pouvoir de construire. Votre langue a le pouvoir d'encourager. Votre langue a le pouvoir de guérir. Conforter les autres. Mais avec la même langue, nous avons aussi le pouvoir de destruction, de découragement, de défaite et de mort. C'est pourquoi nous devons gagner la bataille de la langue. Alléluia, peuple de Dieu. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu dois gagner la bataille de la langue. Comment je peux gagner la bataille de la langue? Je vais nous parler de 5 choses ce matin qui vont nous aider à gagner la bataille de la langue. Première chose, Marc chapitre 7, le verset 21. À 23. Vos paroles, pourquoi vous devez gagner la bataille de la langue? Premièrement, vos paroles révèlent votre cœur. Marc chapitre 7, verset 21 à 23. Car c'est du dedans, du cœur des hommes, qui sortent de mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, la cupidité, la méchanceté, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses sortent d'idées.
dedans et suis l'homme. Bien-aimés, vous devez comprendre que quand votre bouche parle, c'est votre cœur qui parle au travers de vos lèvres. Si votre cœur est rempli de colère, d'orgueil, de jalousie, de querelle, cela sortira par votre bouche. Les paroles qui sortent de notre bouche révèlent ce qui est dans le cœur. Nous devons nettoyer nos cœurs si nous voulons gagner la bataille de la langue. Beaucoup de gens n'arrivent pas à dire de bonnes choses parce que dans leur cœur, c'est rempli de mauvaises choses. Leur cœur est rempli d'orgueil. Leur cœur est rempli de colère. Et c'est ce qu'ils expriment à travers les paroles. Nous sommes appelés à nettoyer nos cœurs. Une fois, je suis allé regarder les femmes et j'ai dit, race des vipères. Comment pouvez-vous dire de bonnes choses alors que votre cœur est mauvais? Bien-aimés, le nettoyage doit commencer dans le cœur et dans la pensée. Nous ne pouvons pas gagner la bataille de la langue si nous avons un mauvais cœur. Vous devez nettoyer votre cœur. Vous devez enlever les mauvaises choses dans votre cœur. On ne voit pas les cœurs, mais au travers des paroles, on peut dire que cette personne a un mauvais cœur. Alléluia. Gagner la bataille de la langue. C'est pourquoi vous voyez des gens, ils sont à l'église, pendant longtemps, ils ne sont pas bénis. Parce que ils n'ont pas gagné la bataille de la langue. Leur cœur est mauvais. Ce qui sort de notre bouche vient de notre cœur. Vous savez qu'il y a des personnes qui peuvent vous dire, non, je n'ai pas dit ça au fond de mon cœur. Non, tout ce que tu dis là, ça vient du cœur. Alléluia. Si tu veux gagner la bataille de la langue, tu dois nettoyer ton cœur. Les cupidités, les méchancetés, c'est dans le cœur. Je dois nettoyer mon cœur si je dois gagner la bataille de la langue. Deuxième chose, si tu veux gagner la bataille de la langue, tu dois discipliner ta langue. Psaume chapitre 34, verset 13. Je dois discipliner ma langue. Psaume 34, verset 13. La Bible dit ceci. Préserve ta langue du mal et tes lèvres de paroles trompeuses. La parole est claire sur les genres de discipline que nous devons exercer sur notre langue. Prenons l'exemple de Jésus-Christ, notre maître. Il a si discipliné sa langue. C'est pourquoi il a manifesté la puissance de Dieu. C'est pourquoi il a manifesté la gloire de Dieu. Parce qu'il a si discipliné sa langue. Tu ne peux pas manifester la puissance de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans le niveau de victoire si tu ne gagnes pas la bataille de la langue. Et pour gagner la bataille de la langue, nous devons discipliner notre langue. Jésus n'a jamais péché avec sa langue parce qu'il était discipliné. On l'a insulté. On l'a calomnié. On l'a faussement accusé. Mais il n'a pas,
il n'a pas élevé la voix en représailles. Il ne s'est pas mis en colère contre ceux qui l'avaient battu ou ceux qui se sont moqués de lui. Il a retenu sa langue et il s'est confié à Dieu. Combien d'entre nous arrivent à disputer leur langue face aux critiques, face aux insultes, face aux moqueries? Comment réagissons-nous? Jésus, on l'a insulté, on l'a humilié, il a été battu de verges, mais il n'a pas répondu. Il a discipliné sa langue. Des fois, quand je vois les enfants de Dieu, même dans les temps éclairés, « Ah, Seigneur, tu m'as abandonné. Ah, mon Dieu, je suis confondu. » Face à une épreuve, est-ce que nous savons discipliner notre langue? Jésus a été éprouvé. On l'a insulté, on l'a battu. On l'a humilié. On l'a faussement accusé. Mais il a si discipliné sa langue. Dieu veut nous amener dans une autre dimension. Nous devons gagner la bataille de la langue. Bien-aimés, pourquoi tu dois discipliner ta langue? Parce que l'objectif du diable, c'est d'utiliser notre langue pour nous détruire. Le diable veut te détruire au travers de ta langue. Rappelez-vous de nous espions. 10 ont été détruits à cause de leur langue. 2 seulement ont pu entrer dans la terre promise parce qu'ils ont aussi gagné la bataille de la langue. Tu dois savoir que l'objectif du diable, c'est de détruire ta vie au travers de ta langue. Dis après moi, je refuse de céder ma langue au diable. Je t'entends pas. Je refuse de céder ma langue au diable. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui cèdent leur langue au diable. Quand tu te mets à critiquer les autres. Quand tu te mets à mentir, tu cèdes ta langue au diable. Quand tu fais des commémorages, tu vas à gauche, à droite, tu sais ce qui s'est passé là. Il y a même des gens, je prêche comme ça, dans lesquels il est en train de murmurer. Tu peux céder ta langue au diable quand tu prononces des injures. Quand tu calomnies les autres. Quand tu sèmes la division. Il y a des gens qui ont une mission de diviser les autres, de créer des conflits. Et après moi, je refuse de céder ma langue au diable. Je reprends le contrôle de ma langue. Mais tu dois être discipliné. Le diable veut utiliser notre langue pour nous détruire, pour nous disqualifier. Gagner la bataille de la langue. Comment gagner la bataille de la langue? Tu dois discipliner ta langue. Tu dois refuser de céder ta langue au diable. Troisième chose, tu dois éviter les paroles vaines. Matthieu 12, verset 36 à 37. Je vous l'ai dit, au jour du jugement,
les hommes rendront compte de toute parole vaine qui nous seront proférées. Car par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Évitez les paroles vaines. Les paroles vaines sont des paroles mortes. Des paroles stériles. Des paroles qui n'ont pas de vie. Les paroles vaines sont des paroles sans valeur. Les paroles vaines sont des paroles qui n'édifient pas. Des paroles qui n'apportent rien aux autres. C'est ça les paroles vaines. Dans Ephésiens, chapitre 5, le verset 4, on nous montre ce que les paroles vaines. On nous dit par exemple, les paroles déshonnêtes. Les paroles vaines sont des paroles déshonnêtes. Les paroles obscènes. Ce sont des paroles vaines. Des paroles qui manquent de pudeur. Ce sont des paroles vaines. Des paroles déshonnêtes. Et une fois, j'étais monté dans un taxi. J'étais aux premières chaises. Vous savez, nos taxis, vous avez les premières chaises où il y a le chauffeur et le premier occupant. Et derrière, il y a toujours généralement trois personnes. Et moi, j'étais devant. Nous avons avancé. Après un moment, trois personnes sont entrées. Je ne regardais pas les personnes qui sont entrées. Ces personnes ont commencé à parler. Directement, je suis que c'était des prostituées. Par tes paroles, on peut reconnaître qui tu es. Seulement, par des paroles, il y a des paroles qu'une personne normale ne veut pas dire. Et une personne qui a gagné la bataille de la langue ne veut pas dire ça. Les paroles déshonnêtes sont des paroles vaines. Et Jésus a dit que nous allons répondre pour toutes les paroles vaines que nous aurons proférées. Donc il y aura un tribunal. Tu vas te poser pourquoi tu as dit ça. Pourquoi ce jour-là tu avais parlé comme ça. Les paroles déshonnêtes. Les propos insensés, les paroles qui n'ont pas de sens. Les plaisanteries. Vous savez, même en tant qu'enfant, nous devons éviter certaines plaisanteries. Les paroles contraires à la bienséance sont des paroles. Je me rappelle, une fois, j'étais en train de faire l'émission à la RTNC, notre chaîne nationale. C'était sur les maris de nuit. J'avais utilisé les termes rapport sexuel. On a censuré mon émission. On a dit, non, pasteur, je ne vais pas dire les rapports sexuels. Parce qu'il y a des enfants qui nous suivent. L'émission n'est pas passée. J'étais là, à la télé, j'attends comme ça. L'heure de l'émission devait passer. J'attends, l'émission ne passe pas. J'appelle la journaliste. Madame, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, pasteur, on a censuré l'émission. On a dit qu'à l'heure où passe l'émission, certains termes qui étaient utilisés, c'est pour les adultes. On m'a dit, pasteur, il faut utiliser des termes comme
relation intime. Voilà. Il faut. La Bible dit que vos paroles soient assaisonnées de sel. Alléluia. Et après manger, nous avons gagné la bataille de la langue. Bien-aimé, la bataille de la langue, si tu ne gagnes pas ça, tu ne vas pas manifester la puissance de Dieu. Si tu ne gagnes pas la bataille de la langue, tu seras disqualifié. Je suis dit, au dernier jour, les hommes vont répondre de toutes les paroles qu'ils auront dites. Il y a la bienséance. Vous devez respecter la bienséance. Il y a certaines normes de protocole. Vous devez respecter cela si vous voulez gagner la bataille et la langue. Donc, évitez les paroles vaines. Les injures sont des paroles vaines. Quand vous injuriez quelqu'un, est-ce que ça édifie les injures? Les injures, c'est chercher à diminuer l'autre. Chercher à se moquer de l'autre. Les injures, ça ne glorifie pas Dieu. Ce sont des paroles vaines. Nous devons bannir cela. Quand je vois un enfant de Dieu injurier l'autre, je me questionne, est-ce que c'est un vrai enfant de Dieu ou pas? Les injures, c'est chercher à nuire à l'autre. Vous voulez nuire à la réputation de l'autre. Quand vous voulez quelqu'un prostitue, alors que la personne n'est pas ça, vous voulez nuire à la réputation de l'autre. Nous devons bannir les injures. Ce sont des paroles vaines. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Quatrième chose, comment gagner la bataille de la langue? Mettez votre langue sous le contrôle du Saint-Esprit. Bien-aimés, vous devez laisser le Saint-Esprit diriger votre langue. La langue est un petit membre, mais la langue peut faire beaucoup de dégâts. Vous savez que nous sommes ici. Je peux dire certaines paroles et toute l'église est dispersée. Combien de couples ont des problèmes? Parce que l'homme ou la femme n'a pas su bien utiliser la langue. Nous devons laisser au Saint-Esprit de contrôler notre langue. Nous devons laisser au Saint-Esprit de diriger notre langue. Chaque fois que vous voulez parler, laissez le Saint-Esprit prendre le contrôle de votre langue. Le Saint-Esprit ne va pas te pousser à injurier ton frère. Le Saint-Esprit ne va pas te pousser à haïr ton frère. Le Saint-Esprit ne va pas te pousser à critiquer ton frère. Le Saint-Esprit ne va pas te pousser à calomnier ton frère, ta soeur, ton mari, ta femme, ta belle-sœur. Mettez votre langue sous le contrôle du Saint-Esprit. Il est l'esprit de vérité. Quand votre langue est sous le contrôle du Saint-Esprit, il va vous pousser à dire la vérité. Il va vous pousser à vivre dans la vérité. Jésus ne parlait pas de lui-même. Tout ce qu'il disait venait de son Père. Parce qu'il avait laissé sa langue sous le contrôle du Saint-Esprit. Et après moi ce matin, cher Saint-Esprit, prends le contrôle de ma langue. Prends le contrôle de ma langue. Bien-aimé, dans le processus de laisser au Saint-Esprit de prendre le contrôle de votre langue, vous devez reconnaître les sommes où vous avez péché avec votre langue. Vous devez vous humilier, vous repentir et permettre au feu du Saint-Esprit de toucher votre langue. Vous devez crier
priez à Dieu pour purifier, pour sanctifier votre langue. Dis seulement ça, ne dis pas l'autre. Gagnez la bataille de la langue. Oh, je te vois gagner la bataille de la langue au nom de Jésus. Ta langue ne va pas te détruire. Ta langue ne va pas te disqualifier. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Comment gagner la bataille de la langue? Cinquièmement, enfin, veillez sur votre langue. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève de paroles trompeuses. Amen. On dit, si quelqu'un veut aimer la vie, qu'il veille sur sa langue. Donc il y a des gens qui perdent avant leur temps à cause de la langue. On dit en français, trop parler, paix. Trop parler, paix, tuer. Ça ne veut pas seulement te tuer physiquement. Ça peut aussi tuer les bonnes choses dans la vie. Trop parler, paix, tuer. Vous verrez déjà là. Frère, je t'ai dit tout mon cœur. Comment toi tu peux dire à quelqu'un ton cœur? Trop parler, paix, tuer. Tu dois veiller sur sa langue. Tu dois mettre une garde sur ta bouche. Je ne peux pas dire ça parce que je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas dire ça parce que je vais annuler ma prière. Nous sommes en train de prier. Toi, tu sors en train de dire, ah, Dieu ne m'écoute pas. Je suis fatigué. Les paroles de doute. Tu annules la prière que tu fais. Je vois comme si Dieu ne m'écoute pas. Je vois comme si Dieu ne m'aime pas. Je prie, il n'y a pas de solution. Ce sont des paroles qui condamnent les gens. Ce sont des paroles qui lient les gens. La Bible dit, par tes paroles, tu seras lié. Tu dois veiller sur tes paroles. 24 heures sur 24 heures, tu dois veiller sur ce qui sort de ta bouche. Tu peux te lier, tu peux te détruire à cause de ce qui sort de ta bouche. Tu peux annuler ta prière. Parce que si tu pries et que tu dis des paroles qui sont contraires à la prière, tu annules la prière. Je donne toujours aux gens l'histoire de cette dame. J'étais une maman dans le Seigneur. Et un jour, les frères sont allés visiter cette maman. Heureusement que la maman n'était pas là. Le frère arrive, il demande, maman, Isabelle, c'est un exemple. Nous prions avec maman Isabelle. Ils arrivent là-bas. Ils demandent. Nous venons rendre visite à maman Isabelle. Les enfants disent. Maman vient de se déplacer. Ah, les frères disent gloire à Dieu. Et il y a un enfant qui vient et dit, vous priez avec notre maman. Et le frère dit, oui, 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 oui. Et l'enfant dit, notre maman, elle prie beaucoup. Et l'autre enfant ajoute, mais elle injurie beaucoup. Hein. Quand elle se met à nous injurier, des fois nous commençons à pleurer. Vous savez qu'il y a des gens comme ça. Ils peuvent se mettre à parler là, tu commences par nous à pleurer. Mais comment une personne peut dire ça? Ça, c'est la méchanceté. Les paroles, tu dois prier sur tes paroles. Tes paroles, tu peux annuler la prière que tu fais ici. Si chaque jour tu déclares négativement, tu annules la prière. Si quelqu'un veut aimer la vie, qu'il préserve sa langue du mal. Tu dois préserver ta langue. Tu dois veiller sur ta langue.
vigilant à tout moment. Est-ce que ce que je vais dire, ça va édifier les gens? Est-ce que ce que je vais dire, ça va bâtir? Est-ce que ce que je vais dire, ça va construire? Est-ce que ce que je vais dire, ça va rassembler les gens? Gagner la bataille de la langue. Si nous ne gagnons pas la bataille de la langue, nous serons disqualifiés à tout point de vue. Il y a une bataille, mon frère, ma soeur, que nous devons gagner. C'est la bataille de la langue. Nous devons veiller sur nos paroles. N'importe quoi ne doit pas sortir de notre bouche. Nos paroles doivent refléter notre nouvelle identité. Vous devez savoir ceci, que le but le plus élevé de notre langue est de glorifier et de louer Dieu. Il nous a donné la langue pour que nous puissions les louer. Pour que nous puissions les glorifier. Quand tu parles là, est-ce que tu donnes gloire à Dieu? Il y a une personne qui est morte, Hérode, parce qu'il n'a pas donné gloire à Dieu. Il a parlé, les gens l'ont acclamé. Mais Dieu a dit que cet homme doit mourir parce qu'il ne va pas glorifier. Dans nos paroles, il faut qu'il y ait l'humilité. Dans nos paroles, il faut que nous puissions donner gloire à Dieu. La langue est petite, mais ça peut faire des grands dégâts. Tu dois veiller sur ta langue. Combien de couples ont de problèmes? Combien de familles sont détruites? Combien de familles sont divisées? Combien des églises où il y a le feu à cause de la langue. La langue est comme le feu. Vous savez, un petit feu peut faire beaucoup de dégâts. Dis après moi, je dois veiller sur ma langue. Je dois. Dieu nous appelle au niveau de maturité. Parce qu'il veut que notre langue soit sa langue à lui. Que nous allons parler, que des choses se passent. Par notre langue, que nous puissions libérer les surnaturels. Par notre langue, que nous puissions communiquer la vie. Par notre langue, que nous puissions communiquer l'espérance. Par notre langue, que nous puissions relever ceux qui sont abattus, ceux qui sont découragés. Par notre langue, que nous puissions gagner les âmes. Gagner la bataille de la langue, c'est possible. En conclusion, j'aimerais dire ceci. Non seulement nous devons éviter les paroles de peur, des doutes, d'incrédulité, mais nous devons aussi éviter de les entendre. C'est pas seulement je dois éviter de parler mal de mon frère. Je dois aussi éviter d'écouter quelqu'un qui parle mal de mon frère et de ma soeur. Écouter est aussi mauvais. Parce que quand tu écoutes les mauvaises choses, tu vas commencer à dire ça. Faisons attention à ce que nous écoutons. Si tu es là, tu écoutes chaque fois, on critique le pasteur. Donc, tu vas critiquer l'homme de Dieu. Et tu vas t'attirer la malédiction. Fouillez les personnes qui ont toujours tendance à critiquer les autres, à minimiser les autres, à rabaisser les autres. Fouillez ces personnes-là. Ne leur donnez pas vos oreilles. Vous devez garder vos oreilles d'entendre des propos malveillants. Vous devez refuser de les écouter. Oh, ce matin, je te vois gagner la bataille de la langue au nom de Jésus. Je dis, je te vois gagner la bataille de la langue au nom de Jésus. Que les hommes qui aiment l'Éternel, qu'ils puissent savoir tenir sa langue en bride. Que Dieu bénisse sa parole.